peuvent surprendre aussi les yeux habitués à l'Ouest français, où on est taxé de faire du cheval de plat. Mais là, lui, en tant qu'Anglais, il va chercher des chevaux importants pour passer les gros obstacles de Grande-Bretagne et d'Irlande. Voilà, les deux ans, les femelles de deux ans quittent la scène. Et on va pouvoir enchaîner très très vite avec les mâles. Bravo encore à la famille Quetil, Quetil Brothers, qui ont fait vraiment un carton. Allez, on va libérer la place et on va redemander aux juges de reprendre leur place pour faire le concours des mâles. Allez, on va demander au juge de se remettre en place. Lucinda Russell, Alban, Chevalier du Faux, Peter Scudamore. Merci à Richard Venn et à David Fetter qui ont toujours la langue bien pendue de libérer the judge, make the jumps free. Go back to the bar. Voilà, alors le clan de l'Est, qui est au milieu de la piste, va devoir laisser place aux champions, aux futurs champions, qui vont entrer en scène dans quelques instants sous les ordres de Philippe Fouché. Philippe, est-on prêt? Oui, les deux ans sont prêts. Allez, on va démarrer. Lucinda, you can come back to the judge stands with Laura. La délicieuse Laura Saldomasic, excellente recrue du FRBC. Oui, oui, effectivement. Alors, est-ce que le premier deux ans est prêt? Attention, c'est de l'eau, ça rouille. Des Anglais qui boivent de l'eau, c'est amusant ça. Ok, c'est bon? Allez. Le 73. Ok. On est reparti pour le numéro 73, donc là, on enchaîne vite avec les mâles. Un fils de Tiger Groom qui est présenté par Michel Lemeur, très présent Michel Lemeur depuis le début de ce concours. Tiger Groom et Huguena. Et Huguena, une souche très variée que celle du Huguena la mère par Mémad. Ce poulain est le frère d'un excellent sauteur, Hockey Prince, entraîné par Jérôme Follin. Hockey Prince s'est imposé notamment dans le Grand Cross de Corlay à Corlay, également à Fontainebleau. Un des tout meilleurs chevaux de cross actuels, fils de Princeton. C'est la souche aussi de In Extremis sous la deuxième mère et Queen Jo. In Extremis, elle a gagné le prix Citage à Auteuil, qui est depuis devenu une listed. Et sous la troisième mère, c'est Tafaraoui. Alors Tafaraoui, c'est une souche de base de l'élevage Cyprès. Tafaroui qui est né dans les années 63, donc ça ne rajeunit pas, mais qui est une souche de base qui a essaimé après dans l'élevage de Michel Gigot avec Tonnerre de Doudéry, également dans l'élevage Cyprès même avec Jolimo mais né à Pron, mais aussi dans l'élevage de Magnien, Benoît Magnien qui est ici présent d'ailleurs avec Nao, Kenza et Sir Dream. Ouais, avec Yann, on c'est pas si mal. Ouais, regarde pas. Panthéros. Là, tu t'es raté. Non, là, c'est pas mal. Là, j'ai zoomé. Juste la mer qui est un peu.
monsieur le grand maître traiteur. Non, mais restaurant déjà. Et puis comme c'est drôle, pour l'instant, il s'agit. Et ah, je suis au top. Je peux chanter une chanson, non? T'as mangé des pâtes? Tu me les avais toutes embarquées. Quoi? Un sac de pâtes? Impossible de mettre la main dessus. J'ai déchargé un sac de pâtes. Et où ça? Oh, t'es reparti avec? Les terrines, c'est dans la même caisse. Ah bah moi j'ai vu les terrines dans le frigo, mais j'ai pas vu les pâtes. Tu veux boire? Oui, une mousse. Une mousse? Ouais. Oui. Deux. Deux mousses. Lise. Justement, Claudine, vous restez maintenant. La moignole. Il en restait un peu. La moignole, là. Et je vois de la boue. Oui, Michael. Je viens de voir, merci. Voilà, et si tu peux choper quelques rendez-vous ici avec des mecs qui sont déjà chez nous, mais qui sont là, et leur dire bonjour en disant je vous rappelle. Ok, donc le 73 ne vient pas quitter la scène, on va refaire un petit tour, on va en profiter encore une fois, ce fils de Tiger Groom, le frère de Hockey Prince, excellent cheval de cross, dont on voit chez Spoulin de 2 ans qu'il est très très bien équilibré. Alors Nicolas Simon, le fils de Roger Yves, nous présente le 72. Voilà, donc on revient à la page arrière. Il s'appelle Amal y pense. On y soit, qui mal y pense, disait cet écrivain dont je ne me rappelle plus le nom. Onisoi qui mal y pense, c'est un fils de Danomast, il porte le numéro 72, et Où es-tu par Evening World, et le même par Pensée d'amour. Alors, Amal y pense, donc, est une propre sœur de Vive-moi. C'est pas du tout prétentieux comme nom, Vive-moi. Femelle née en 2009 qui n'a pas encore couru. Où es-tu? La mère est une sœur d'un cheval de qualité qui s'appelle Dana Vama. Et c'est donc la famille, on en a parlé ce matin, on avait un foal de... Voilà, le Danomast de ce matin, on l'a vu. Le foal de Danomast est Où es-tu? Donc c'est la souche de Algan. Algan, il était un peu dans l'ombre des trois mousquetaires venant du centre. De la marquise de Moratalla, c'est-à-dire à l'époque The Fellow, Ucello et Ubu 3, mais nous avions aussi Algan qui finalement n'avait qu'un an de moins, et Algan a réussi une carrière tout à fait remarquable, que ce soit en plat, en haie et en stipple, vainqueur de groupe 1, vainqueur du président de la République également. Et voilà, un cheval injustement oublié peut-être, car dans l'ombre des trois mousquetaires, des trois héros. Petite mousse.
Pardon ? On va aller voir les amis des vidéos, ça. Ils sont mûrs là maintenant. Ah bon ? Voici le numéro 74. Alors, le 74, il s'appelle Ascot Saint-Martin, présenté par l'écurie Smart. Ça fait 3 ans qu'ils élèvent l'écurie Smart. Pas sous ce nom, c'est la première année qu'ils élèvent sous le nom d'écurie Smart. C'est un fils de Saint-Dessin. Aïe. Et Maya Dufresne. On a vu le foal de Maya Dufresne ce matin, Great Pretender, qui est un joli cheval. Donc Maya Dufresne, bonne jument de course, gagnante en plat, mais aussi en obstacle, a gagné à Pau et puis aussi à Auteuil. La famille de Luthor de Farge, Gluck de Chazot, mais bon, la seule Maya Dufresne justifie à exprimer le pédigré de ce produit de Saint-Dessin qui nous est présenté donc par l'écurie Smart. Non, c'était pour filmer Sneaky Royal, Sneaky tout court d'ailleurs, et King's Best. Et bon, bah, tant pis, on fera le sujet général des étalons. On n'avait pas besoin d'eux pour faire le sujet général des étalons, c'était plus pour les actualités, tu vois, pour les banquets. C'est soir, tu m'as dormi. Attends. Ah bah c'est pour ça. Attends. Elles m'ont donné, mais il marche pas. Alors voici le lot suivant. C'est le 75, c'est bien ça ? Oui. Alors le 75 est un fils de Puy d'Or, jeune étalon du haras de la Rosselière Puy d'Or, fils de Sir Dolph Wells. Le 75, donc un fils de Puy d'Or. Un fils de Sir Dolph Wells, Puy d'Or, qui n'a pas eu la carrière de course qu'il méritait, parce qu'il s'est accidenté, mais il a quand même fini deuxième de Darcy, juste avant que celui-ci ne remporte le prix du Jockey Club. C'était à Longchamp. Présenté par M. Jean-Claude Lézy, Puy d'Or, Ixia du Ménil, la mère, placé de quelques courses intéressantes en plat, notamment le troisième du prix des Pelletrais à Angers. A donné naissance à Speed Javilex, un double lauréat à Mêlée du Maine. Et à Angers, deuxième à Cran, c'est un cheval de qualité.
jumelles de 2 ans ainsi que les jumeaux de ce matin. Alors à tous les éleveurs qui ont présenté des femelles tout à l'heure, on vous annonce que les livrets sont disponibles, vient de m'annoncer Michel Lecoq, qui s'occupe de cette partie très importante, administrative, de toute l'organisation au niveau des livrets sanitaires de ce show à QPS. Donc les livrets des femelles sont disponibles, les éleveurs peuvent les récupérer, c'est au secrétariat, c'est-à-dire sous la tente à QPS, qui est tout près d'ici. Alors, on va accueillir les lots suivants désormais sur le ring. Cheval Bébrun foncé. Qui est le numéro 76, fils de Sin Kiang. Alors, un fils de Sin Kiang, un étalon devenu un peu rare, fils de Fabulous en sort lui-même. Si ma mémoire est bonne d'ailleurs, Sin Kiang a été le seul et unique fils de Fabulous Dancer à faire la montre. La mère est par Madoun, le frère caché de ce Madoun. C'est une souche qui s'est illustrée dans les très bons crosses. On voit la Lorelai sous la troisième mère. On voit Derwin, on voit Dursty. Et il y a bien sûr dans ce pedigree Archibald, le quintuple vainqueur du grand cross de Cran. Ce poulain, qui s'appelle Aldoun Danseur, est présenté par M. Émile Elbert. Et il est né dans le 35, l'Ille-et-Vilaine. Alors, le lot suivant, un peu timide.
Qui est le lot suivant, s'il vous plaît? 77. Ok, 77. Allée d'Ave, Javillex, présenté par Jean-Claude Lézy, un autre fils de Puydor. Donc Allée d'Ave, Javillex, le lot 77 par Puydor. On en a parlé tout à l'heure, Puydor. La mère est par Apple Knight et Chippy Langron. Alors Chippy Langron, c'est une bonne poulinière. Hein. Elle a donné naissance à Miko de Beauchesne, gagnant de groupe. Et Prince de Beauchesne, gagnant de groupe également, en Irlande, lui. Ça, c'est sans doute un pedigree qui va susciter le plus vif intérêt chez nos amis anglais et irlandais, qui sont présents en grand nombre aujourd'hui. Alors, on rappelle que nous avons un jury international pour juger cette section de 2 ans mâle, les mêmes que ceux qui jugeaient la section des 2 ans femelles, c'est-à-dire l'anglais Peter Skidamore, le légendaire anglais Peter Skidamore, accompagné de Madame Russell, Lindsay Russell, entraîneur en Angleterre, et Alban Chevalier Dufaux, le local de l'étape de la Ménian, Alban, donc, qui est spécialisé, lui, dans la préparation des 2 ans aux ventes montées. Et donc, a vraiment l'habitude de voir des 2 ans, de juger des 2 ans, d'estimer des 2 ans. Donc, c'est intéressant, des 2 ans pur sang. Donc, c'est intéressant d'avoir un avis comme ça, extérieur, pour juger ces 2 ans à QPS. Voilà, donc le 77 a quitté la scène, va laisser sa place. Va laisser sa place, pas encore au 82 qui est pourtant prêt, Alto des Mottes. Si. S'il est prêt. Allez. Le lot suivant. On va essayer d'enchaîner assez vite parce que le temps se couvre. Allez, Michel. On fait preuve de volontarisme et d'autorité pour nous amener le lot suivant en scène, c'est-à-dire pas à le mix des dunes les 78, mais pas à l'ex-mom le 81. Le 80. Alors le 80, c'est le loup solitaire et Nina Bruère.
Alors en fait, il y a eu un petit bug dans le catalogue. Là, le pedigree du 81, il situe juste la page d'après. Le 80, pardon, qui est sur scène, là, il situe juste après la page du lot 81. Si vous tournez là, après le 80, vous allez trouver Alun Bruère. Voilà donc le 80, pas d'erreur, c'est bien le 80 qui est en scène, il s'appelle Alun Bruère, il est présenté par Michel Pelletier, un fils de Nina Bruère, bonne jument, gagnante à cran, hein. Gagnante en obstacle à cran, c'est pas facile. 4 victoires, plusieurs places intéressantes à Auteuil également pour cette jeune poulinière, Nina Bruère, qui est une nièce, Nina Bruère est une sœur de Keith Bruère, et c'est la famille de Divine Bruère, Little Bruère, Cater Bruère. Un ensemble de très bons chevaux d'obstacles qui sont illustrés notamment à Auteuil. Donc le pedigree, je vous rappelle, de ce 80 se situe après la page du 81. Voilà, un joli cheval très signé par son père, Loup Solitaire, qui est mort malheureusement. La mère, elle est par Mansonien, la grand-mère par Le Pontet. Donc on a cherché dans ce pedigree à ramener de la vitesse avec Loup Solitaire, puisqu'on avait avant deux chevaux de tenue, Mansonien et Le Pontet. Merci, merci aux 80. Alors, quel sera le lot suivant? Dans quelle heure va-t-on prendre le défilé des chevaux? Ok, c'est le 82 qui va entrer en scène. Alors le 82, c'est Alto Devote. Aha, fils de Dreamwell et Omance. Alors le 82, donc sur le catalogue, il n'y a pas son numéro, mais c'est bel et bien le cheval qui est avant le 83, d'une logique implacable. Voilà, Alto Devote. Alors Alto Devote est présenté par l'écurie Devote, comme son nom l'indique. C'est un fils de Dreamwell, issu d'une jeune poulinière que l'écurie Devote est allée dénicher dans un des plus bels élevages du centre, en l'occurrence de l'Allier, c'est-à-dire celui de Bruno Vagne. Omance, une jeune poulinière par Vidéo Rock, et Violetta, formidable souche, formidable jument de base de l'élevage de l'Allier, où on doit deux sujets qui sont illustrés dans l'Anjou-Loire-Challenge ici, c'est-à-dire Galapagos et Imposant.
mais aussi une quantité industrielle de très bons chevaux, y compris à Auteuil, Mikador, une des sources, Hors des Champs, Mifasol, Trofort également, Esmeralda. Donc très très grande origine d'obstacles ici, purement d'obstacles. Avec ici un fils de Dreamwell, Dreamwell qui, alors que ça paraissait pas du tout évident en termes de pédigré, qui s'est imposé sur les obstacles. Il a fait notamment Viotti, qui a été un très bon 3 ans à Auteuil. Et donc voici le premier produit de Omance par Dreamwell. Ah, on discute beaucoup entre les juges sur le cas de ce fils de Dreamwell. On l'inspecte sous toutes ses coutures. Ah, des juges qui ne restent pas dans leur cabane. Hein. Ils sortent pour se placer au plus près des chevaux. Ce qui est une bonne chose, parce que comme ça, les chevaux sont présentés plus près du public d'ailleurs. Ok, merci. Merci au 82 Alto des Mottes. Ah, alors le 81, d'accord. Merci au jeune homme en casaque jaune qui nous indique les numéros. Alors le 81, reprenons la liste en fait qui était au début de cette série pour bien s'y retrouver. Le 80 est un fils de Alnamix et Princesse du Mou. Ah, ben, le catalogue, la page, elle est pas dans le catalogue. Putain, ils ont fait une connerie. Ils ont bouffé un truc. Alors, pour une raison mystérieuse, la page a disparu du catalogue. Bon, alors, on essaie de s'y retrouver. Merci Philippe Ladroux, l'homme de la Saône-et-Loire, qui sait bien lire un catalogue, qui m'a dit qu'il y avait un numéro 81 qui s'appelait Alex Paume dans le catalogue. Mais le 81 n'est pas le 81, c'est ça qui est la petite nuance. Le 81 est un fils ici. Le 81 n'est pas Alex Paume.
ne sais pas s'ils arrivent à me comprendre, mais le 80 qui est ici présent est un fils de Al-Namix et princesse Dumou. Il a de l'équilibre. Ah non, j'allais dire que c'est de la tienne. Non. Non, parce que moi, la liste. Ça, c'est le 4. Ah non, 3. Où ça? Oui, le petit A. Ça va être Tiger Groom. Bah oui, c'est le mien, 92. Mais oui, 92. Alors, nous voyons ici l'équipe de Michel Lemeur qui arrive avec, fort logiquement, le 80. 3. Voilà, on s'y retrouve. Armad, cheval breton, comme son nom l'indique. Fils de Tiger Groom. Le 83 s'appelle donc Armad, c'est un fils de Tiger Groom, présenté par Michel Lemeur. On a vu quelques éléments de cette origine-là un peu plus tôt dans la journée. Arvis, Overdose, Babiolo, Ned d'Oderi, donc une souche qui a beaucoup marqué l'entraînement tout d'abord, et puis l'élevage de Michel de Gigou. Alors Omélia, la mère de ce fils de Tiger Groom, était une bonne jument de course. Elle a gagné 2 fois en obstacle, à Saint-Brieuc, également à Compiègne, elle s'est placée 3e du prix Radio Paris, qui est une course importante à Enghien. Tandis que j'en profite pour vous rappeler que tout ce concours depuis ce matin est diffusé en direct sur France CIR TV, votre site préféré. En direct, en effet, les magies de la technologie moderne. Alors en direct et en différé, puisque dès demain, vous pourrez disposer des différés de chaque section. Et vous pourrez donc vous en servir pour contacter tous les gens qui ne pouvaient pas être présents ici. Vous pourrez leur dire qu'ils peuvent voir vos chevaux sur Internet, sur France CIR. Thank you.
Bien, voilà pour le 83. Ah, qui va laisser sa place. Un joli cheval alezan. Présenté par The Burlows et The Burlows, c'est-à-dire Noël Burlot en main, le père, et Olivier Burlot derrière, le fils. Et c'est bel et bien le 84. Aramis de Coeur porte donc le numéro 84. Il est présenté par Olivier Burlot de Plounévé-Quintin, en Bretagne, pays de Corlay, fils de Tiger Groom à nouveau. Et Omega de Coeur par East of Heaven, dont il tire la robe d'ailleurs. East of Heaven était un fils de Escaline, hein, je vous le rappelle, lauréate du prix de Diane 1982. Sous l'entraînement de... Non, 83, sous l'entraînement de François Boutin. Alors, c'est la souche qu'on connaît bien, la souche des deux cœurs, souche Burlot, avec Amponne de cœur, Eden de cœur, enfin, plein de bons chevaux. Fête de cœur, la grand-mère de ce poulain. Et aussi dans cette famille, le très bon Opéra de cœur. Opéra de cœur qui s'est imposé à 5 reprises. Outre-Manche, en haie tout d'abord, puis en steeple. Alors, plus que 10 numéros, hein, on va être obligé de bientôt se quitter, c'est bien dommage. Mais le bar est encore ouvert, et ce pour longtemps, on est au Lion d'Angers. Hein. La légende ne se perd pas, surtout en présence des Bretons et des Anglais. Aristo Desmottes entre en scène. Ah, Aristo Desmottes, voilà un gros pédigré. Présenté par l'écurie Desmottes, ce fils de Maresca Sorrento est issu de Kitsch Desmottes, l'excellente Kitsch Desmottes qui s'est imposée dans le Grand Prix des AQPS à Nantes, comme l'avait fait avant elle son frère aîné Jazz Desmottes et après elle sa sœur cadette La Six Desmottes. Formidable poulinière. Cette Clyde Desmottes, la grand-mère de Aristo Desmottes, qui est ici présent sur la scène avec le numéro 85, a donné donc 3 vainqueurs successifs du Grand Prix des AQPS, qui s'est déroulé d'une pour la première fois pour Jazz Desmottes, c'était ici au Lion d'Angers, puis après à Nantes. Et alors dans cette souche qu'on connaît tous ici dans la région, celle où on trouve donc Jazz, le seul et unique cheval qui se soit imposé à 2 reprises dans le Prix de Cran, l'Arc de Triomphe des AQPS. C'était un AQPS de l'Ouest, il s'appelait Jazz Desmottes. Et il y a eu un update, une performance extrêmement importante dans cette famille, puisque Opium Desmottes, dont on a vu un foal d'ailleurs ce matin, par Early March, donc Opium Desmottes, une sœur de Jazz, Kitsch, la mère de ce poulain, et La Six, a donné comme premier produit Trifolium, vainqueur du prix Bango à Fontainebleau, puis 2 fois placé de groupe 1, battu de rien, cette année, ce printemps, à Cheltenham, pendant le fabuleux meeting de Cheltenham. Voilà, Philippe Fouché qui en a encore fait des siennes. Il a pris les mille pieds dans la caméra.
Merci Philippe de ton intervention. L'homme qui tombe à pic. Ou à Pâques. Donc Trifolium. Voilà, excellent cheval qui est un futur gagnant de groupe 1 incontestablement. Ici, un cheval très racé, très élégant, que ce fils de Kitsch démote. Il s'appelle Aristo et porte fort bien son nom. Voilà, un cheval en liberté en face. Bon, qui va être récupéré dans quelques instants après avoir déglingué une barrière, c'est pas bien grave. Voilà, il est repris. Pendant ce temps-là, le magnifique Aristo Démote dévoile ses allures au jury. Très bien. Next. Alors, le cheval suivant est-il bel et bien le 86? Alors, encore un puits d'or, le cheval qui appartient à Jean-Claude Lézy, qui est son premier supporter, la mère par arnaqueur. Thank you.
Oui, bah je vais attendre. Voilà donc le 86, ce fils de Puy d'Or qui s'appelle Harmonie d'Or, présenté par Jean-Claude Lézy, Roche Verte, la mère par Arnaqueur, famille de Noir et Vert, sujet qui a gagné 5 courses outre-Manche. Alors, plus que quelques lots, et après on passera à l'élection du meilleur mâle à QPS, et puis après à l'élection du champion ou de la championne suprême du Lion d'Angers 2012. Alors, qui nous arrive là? C'est le 87. Le 87 est un fils de Danomaste qui s'appelle Art Abstrait. La mère s'appelle Carlen Chéry, à ne pas confondre avec Karen Cheryl. Eh oui. Ah bah on a tous notre culture, non? Je suis sûr que vous l'avez tous trouvée très belle dans les années 80. Hein, la jolie blonde. Mais c'est pas la tête, on vous a reconnu. Oui, oui, ça rit sous cap, là, c'est à ma droite, là. Donc, Art Abstrait est présenté par Mme Constance Baron Losfeld du Loup-Roubaix-Conay, tout près d'ici. Carlen Chéry a déjà une naissance à Sable Rouge, vainqueur en plat. Et c'est surtout sous la troisième mère qu'on va trouver des chevaux tout à fait intéressants, puisqu'on y distingue Alibaba, gagnant en obstacle à bon niveau, mais surtout gagnant en plat, très bon cheval de plat, 8 victoires. Ornay également. Cheval de fils de Michel Georges, gagnant de groupe en Angleterre, qui est malheureusement mort dans le Grand National de Liverpool 2011. Et Napolitain, gagnant du prix Finot en 2004. Voilà donc pour le 87, qui est un fils de Danomaste, avec une mère par Ajdaït, la grand-mère par Mbeki.
non, en fait, c'est en train de tourner. Il n'y a plus de 4 numéros. Merci donc au 87, qui va laisser sa place au 88 très certainement. Philippe, est-ce bien le 88? Ah ben ça, alors, c'est très bien, 88. Un fils de Vendangeur, tiens, c'est le premier produit de Vendangeur qu'on voit ici dans ce catalogue. Vendangeur, donc le premier étalon par Galiléo qui a fait la monte en France, acheté par les rats nationaux, avant que Galiléo ne devienne le Galiléo qu'on connaisse aujourd'hui, le roi du monde. Et alors, ce poulain s'appelle Arzal, il est présenté par M. Dominique Gouin, et ce n'est autre que le frère de l'excellent Miesisco, fils de Signe Divin, double vainqueur en plat, mais surtout heptuple vainqueur en obstacle, c'est-à-dire qu'il s'est imposé à 7 reprises. Tout d'abord à Nantes, il était entraîné par Claude Rouget en début de carrière. Tout d'abord à Nantes à plusieurs reprises, puis à Anguin. C'est aussi la famille de Rouski, hein, une fille de Lavirco qui est une très bonne jument à QPS en place sous l'entraînement de Florent Monnier. Fahimi également de Escoublac, vainqueur à Auteuil. Une souche avec des très bons chevaux sous toutes les générations et surtout sous la première mère avec ce fameux Miesisco. Ok, merci au 88. Suivant. Est-ce bien le 89? Ah, il est un peu timide. Philippe, est-ce bien le 89?
Oui, c'est ça. Alors, le 89, il s'appelle « À ton nom », présenté par Roger Yves Simon, de la Chapelle-sur-Erdre, un fils d'Early March, avec une mère par garde royale. Tiens, on a vu le Fall de Night Fever, sa mère, ce matin, ce qui était aussi un Early March, d'ailleurs. On aime beaucoup les mères par garde royale. On aime beaucoup ça. Et on aime beaucoup aussi les grands-mères par Le Pontet. Alors, une souche de la Guillonnière, à la base, sous Sirta, la troisième mère, d'où Christine, José, Sirta avec un S, Ariel, Terramène, gagnante du prix Jacques de Vienne en 2010, et du Critérium du Centre, d'ailleurs. Famille de Macarios aussi. Macarios qui était entraîné par Étienne Linder sous la casaque Marshall, si je ne m'abuse, qui s'est imposé dans le grand style d'Angers. Et cette souche, en fait, est arrivée dans le giron du Haras du Saz à travers le recrutement de Urta, la grand-mère, qui a donné « je te donne » qu'on va avoir dans quelques lots. Le 93, on en reparlera au moment voulu. Voilà donc un fils de Early March, qu'on a vu assez régulièrement donc chez les Pur Sang, avec les deux ans, 2011, et qu'on vous découvre désormais dans le registre de la QPS, avec un cheval qui a beaucoup d'os. Ok, merci, c'est bon pour le 89, qui valait donc laisser sa place au 90. Un cheval gris, un beau cheval gris par Smadoun. Smadoun et Java des Rodières. Donc le cheval est présenté par l'écurie Desmottes, qui était détentrice de sa grand-mère, Bonnie Desmottes, comme son nom l'indique, mais Bonnie Desmottes a été vendue à l'écurie des Rodières. André et Pierrette Frémont, de Chef-sur-Sarthe. Mais Java des Rodières était rachetée par l'écurie Desmottes, et elle a donné notamment le bon cheval Kiver Desmottes, qui compte 4 victoires. Alors à noter que ce poulain, donc, qui s'appelle Hastings Desmottes, a une sœur aînée de 3 ans, qui s'appelle Vidi Desmottes, c'est un dessin, acheté par Alain Couetil, aux ventes aux Arus d'AQPS l'année dernière, et qui a remarquablement débuté 3e à Pornichet, jument estimé par son entraîneur, qui est donc éleveur, comme on l'a vu tout à l'heure, mais également acheteur. Alors, ce fils de Smadoun s'appelle Hastings. Alors, ça vous dit quelque chose, Hastings? Ça vous dit quoi? Hastings, c'était dans la série Magnum. Non, Hastings n'est pas le chanteur de police, c'est Sting, toujours le chanteur de police. Non, Hastings, c'était l'horrible propriétaire de la magnifique maison à Hawaï, qui était hyper coincé, très rigoriste, et qui était foudrage quand il voyait Magnum, le héros de la série Magnum, Tom Selleck, partir avec sa splendide Ferrari rouge et à chaque fois l'écorner quelque part. Voilà, pour Hastings. Vous êtes sûr que c'était que le majordome ? D'accord. Hein ? Ah bon ? Thank you.
Voilà Stings. Voilà Stings qui quitte la scène pour laisser la place à un autre cheval gris. Le 91 probablement, qui est gris comme son père. Lui, Stings était gris comme son père Smadoun. Lui, Aston de Kernin, est gris comme son père Malone, qui a été un bon cheval d'obstacle chez Jean-Bertrand de Balanda, qui fait la monte au haras de Guenbourg. De Guenbourg, donc chez Lionel Hervault en Bretagne. Alors la famille de Nakadour, vainqueur en Angleterre, après s'être illustré en France sur les obstacles, la famille de Jopur aussi, peut-être encore mieux Doujoyau, c'était un vrai bon cheval Doujoyau, Foufoudretz aussi, c'était entraîné par Gérard Margogne, oui c'est cela, Gérard Margogne. Et lui, donc, c'est un fils de Malone. Le vent se lève. J'espère qu'il ne va pas pleuvoir avant la fin. Bon d'accord, dans Magnum c'était Higgins en fait qui s'appelait le majordome. Errare humanum est. Oui, il voit lui aussi. Il va l'imiter. Il va pour faire le tour. Gaffe, mets-toi en off. Il va pour faire le tour. Pas le con. Alors voici le suivant, le 92. Ah, on n'a plus que trois lots. Alors le 92, c'est un fils de Calquévi, avec une mère par Port-Étienne et la grand-mère par Le Pontet. Donc un pur croisement du rat national du Lion d'Angers, puisque les trois étalons que je viens de vous citer faisaient ou font encore la monte là-bas. En l'occurrence, c'est le cas de Calquévi, bien qu'il va partir sans doute en 2013. Gracieuse de la cour, la mère est une bonne reproductrice. Hein. Elle a déjà donné naissance à Mistral de la Cour, bon cheval en France et aussi en Angleterre. Et Gracieuse de la Cour est la sœur de Leader de la Cour. Ça, c'était encore mieux, Leader de la Cour. Hein. Deuxième du Georges Courtois, troisième du Montgomery, double vainqueur à Auteuil, vainqueur à Pau. Voilà, une origine qui s'est vraiment révélée avec la production de Houlette de la Cour, née en 1980.
Poulain est présenté par Monsieur Jackie de l'Épine de Champigny. Ok. Alors le 92 sera suivi du 93. Il reste non pas deux mais trois numéros. Il y a un lot supplémentaire, c'est le 95. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Donc voici le 93 à ta liberté. Si c'est bien celui-là. Ah, les juges se concertent déjà, ils ont du boulot, hein, parce que 23 yearlings à regarder, à 23 deux ans à juger les uns après les autres, c'est quand même pas une mince affaire. À 2-6, on est plus gentil avec les juges, avec les commissaires, on leur fait pas dépasser des lots de plus de 15 chevaux. Mais dans l'Ouest, on n'a pas peur des montagnes, et on attaque des lots de 20 à 30 chevaux. Effectivement, le 93, le 9-3, très beau département. S'appelle Ata Liberté, c'est un fils de d'Anomaste présenté par Roger Simon et la mère s'appelle Je te donne. Magnifique tube de Jean-Jacques Goldman qui passe à peu près toutes les 10 minutes sur Radio Nostalgie. On écoute beaucoup Radio Nostalgie dans la Nièvre, il n'y a pas beaucoup le choix remarqué mais... Ah, ils sont venus en nombre, ils en prennent pour leur grade. Je te donne... Non, bon, d'accord. Donc toujours la famille de qui descend de Hurta, là où Roger Yves Simon a recruté cette jument dans les rangs de l'élevage de la Rousselière, Pierre de la Guillonnière, famille de Christine, Ariel, Sirta avec un S, Terramen, Macarios... Et celui-ci s'appelle « À ta liberté ».
Ok, merci au 93. On va donc passer au 94. Alors, le 94, qui est le dernier numéro du catalogue, mais pas le dernier numéro du concours, ce qui est un supplémentaire, c'est le 95. Rodrigue, as-tu du cœur, disait Corneille, le cœur. Noël Burlot n'en manque pas, il en a tellement qu'il donne ce nom à tous ses chevaux. En l'occurrence, Azerte de cœur, le 94, est un fils de Tiger Groom et Eden de cœur par Lampon. Ah, Lampon, cheval mythique de la Bretagne, Lampon. Dit Pompon, bien entendu. Énorme cheval alezan. Alors là, on voit que Eden de cœur est une pure AQPS, puisque son père est AQPS Lampon. Il était AQPS, là, ici, d'un croisement à l'envers, avec Guirac Créomain. Vous ne connaissez pas, c'est normal. Et la mère aussi, Nouba de cœur, est également AQPS. Alors, cela n'est pas rare, hein, des croisements AQPS sur AQPS, puisque, par exemple, Oedipe, qui a été un des meilleurs sauteurs de Useful, eh bien, c'était aussi une fille de... C'était un fils d'une jument AQPS. Le foal, la foal qui a gagné le concours de 2-6 la semaine dernière, enfin, en tout cas, une section, est issue d'une mère AQPS sur AQPS. Donc là, c'est la souche des deux cœurs dont je vous ai parlé tout à l'heure, où nous avons également quelque chose à préciser, à ajouter. Opéra de cœur, qui compte 5 victoires sur les obstacles en Angleterre, tout d'abord en haie, puis après sur le steeplechase. Voilà donc pour ce fils de Tiger Groom qui s'appelle Azerte de cœur. Ah donc le dernier. Alors le dernier, il y a donc un petit bonus au catalogue, c'est le 95. Le 95, il s'appelle Apollon Javilex. C'est un fils de Puy d'Or. Oh, il va pas être loin, hein, si le fait sonner. Ah, il est sur le supplément du catalogue, le 95. Non, sur la feuille volante, ah bon. Qui est un supplément au catalogue. C'est un puits d'or, hein, c'est bien ça ? Maresca ? Maresca Sorrento, désolé. Ah, une souche. Merci. Ah bah voilà, avec la feuille volante. Apollon Javidex, un fils de Maresca Sorrento et Nakermoum. Donc une souche d'échère, en fait, qui a été récupérée par Jean-Claude Lézy. Nakermoum est une fille de Nachama et donc une sœur de Pesotto. Un bon cheval, Pesotto. Gagnant du Marcel Callier à Lyon-Paris, notamment. Et aussi double vainqueur en obstacle. Une fois en Irlande. La souche des mômes, hein, dont mon môme, vous connaissez par cœur.
C'est donc le dernier lot qui est en train de passer. Ensuite, on va laisser quelques instants au juge pour qu'il délibère. Beaucoup de boulot, hein, parce que 24, même avec le supplément, 23 chevaux, 24 chevaux à juger. Il va falloir après remettre tout ça dans le bon ordre, se mettre d'accord pour désigner les vainqueurs avec les poulains qui sont déjà tous en train d'attendre pour revenir sur le ring. Il y a un portable qui a été perdu, c'est un... C'est comme moi, comme Marc, c'est un iPhone. Si, donc si vous retrouvez un téléphone, merci de le ramener à la régie en haut là, s'il vous plaît. Merci. Pourquoi il y a un numéro 12 ? Mais c'est pour les chevaux. Alors voilà, les passages des lots sont tous terminés. Les juges sont en train de se réunir. Peter Scudamour, Lindsay Russell, Alban Chevalier Dufaux. Et nous allons avoir dans quelques instants le classement de la discipline reine de ce show à QPS du Nonanger 2012, c'est-à-dire les mâles de 2 ans. Et après l'élection du champion ou de la championne suprême des 2 ans. Alors donc on va appeler tout de suite, on voit Alain Coitil qui n'est pas loin, on va appeler tout de suite son poulain, sa pouliche, qui a gagné, c'était le lot 59, qui a gagné le championnat des 2 ans femelles. Donc elle se prépare de façon à participer dans quelques minutes. Hein ? Il est encore là ? Et il y a aussi le championnat des championnats, c'est-à-dire le championnat suprême, c'est-à-dire qu'à la finale, juste après le champion suprême des 2 ans, on va mettre en compétition le 2 ans avec... Le foal, qui a gagné ce matin. Également un Coitil, d'ailleurs, le polyglotte. Et on va décider qui est le champion des champions du Nonanger 2012. Il y a un prix spécial. Il y a un prix spécial aux champions des champions, un prix très particulier, c'est une saillie gratuite de Gentle Wave. Gentle Wave qui fait une poussée importante dans le monde de la QPS, puisqu'il y avait déjà une saillie gratuite offerte au meilleur couple, en l'occurrence Karine Colson, ça tombait bien, qui s'est imposée pour le meilleur couple à 2-6. Et Gentle Wave, cheval qui appartient au rat du Tenet, et qui offre de nouveau une saillie ici aux champions des champions du Lyon d'Angers 2012.
Attends, provisoire. Alors, je vais vous donner un classement, mais il est tout provisoire. Il est tout provisoire, donc je ne vais pas faire jouer le suspense comme tout à l'heure, puisqu'il est tout provisoire et les juges annoncent clairement qu'ils vont rappeler 10 chevaux, donc dans un ordre que je vais vous donner, mais 10 chevaux dont ils se laissent tout à fait la possibilité, en les recomparant les uns aux autres, de modifier les classements. Donc pour l'instant, le classement tout provisoire, je le précise, du championnat des foals est le suivant. En première position, provisoire, je le rappelle, le 74, le Saint-Dessin. En deuxième position, le 88, le Vendangeur. En troisième position, le 90, le Smadoun. En quatrième position, le 87, le Danomast. En cinquième position, le 95, le Maresca Sorrento qui est passé en supplément. Ensuite, le 83, ça c'est le Tiger Groom. Le 80-8-0, c'est le Loup Solitaire. Le 85, c'est le Maresca Sorrento qui se démote. Le 77, c'est un puits d'or. Et le 86, c'est un puits d'or également. Alors donc, je rappelle les numéros, tout provisoire. 74, 88, 90. Ensuite, 87, 95, 83, 80, 85, 77 et 86. Donc on va placer les chevaux là le long de la rambarde de façon à ce que les juges puissent vraiment les avoir dans un ensemble. Et après, une fois que les juges auront désigné le vainqueur, on va le rapprocher de la caméra. Donc nous avons en première position pour l'instant le 74, il est là, le 88, c'est bon. Il manque le 90 là. En troisième position, pour l'instant, il manque le 80, le voilà. Non. Ah non, c'est le Maresca. Non, toi t'es 7ème, t'es 7ème, t'es 7ème. Faut aller chercher. Mais toi, t'es là aussi, mais faut aller chercher. Voilà, il nous manque le 90. Il nous manque le 90, le Smadoun. Le 87, il est là. Le 80, il nous manque le 83 également. Le 77, il va arriver. Et le 86. Voilà, pour l'instant, on en a 5 là. Et donc 6 même. Et je vous rappelle que le classement est tout provisoire. Donc tout peut changer. Donc on attend 4 chevaux encore. Donc encore quelques minutes de suspense, le temps que les chevaux arrivent et que les juges puissent les voir tous ensemble. Donc je rappelle qu'il nous manque le 90, le Smadoun de l'écurie des Mottes. Et il nous manque aussi le 77. Et le 83 qui ne sont pas encore arrivés, s'ils peuvent arriver le plus vite possible. Ah, les petits hommes en jaune qui courent, tel le furet pour aller chercher les manquants.
Donc voilà, les manquants arrivent. Pendant ce temps-là, les juges commencent à refaire, modifier leur classement. On voit que le 95 vient de reculer à la faveur du 80, par exemple. Non ? Voilà, le 90 est en cours d'arrivée. Qu'est-ce qu'il nous manque encore ? Le 77 est-il là ? Non ? Ah, faut qu'il vienne alors. Et le 83, il est où le... Il est là le 83 ? Non ? Si, ah ben il est là, pardon, excusez-moi, il est là. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Huitième cheval qui arrive et il nous en manque encore deux. Ah, voici le 90 qu'on va placer donc en troisième position. Alors par contre, il faudrait que les deux manquants arrivent. Qu'est-ce qui manque là, Philippe ? Ils arrivent les deux ou quoi ? Donc bah voilà, on va les rapprocher, on va laisser un peu de place. Tiens, on va rapprocher le 74 un peu plus près. Hein, l'écurie Smart, jeune élevage. Tiens, on va s'avancer un petit peu, s'il vous plaît. Ah bah ils vont marcher. Ah bah comme ça, c'est, on fait un mouvement, c'est encore mieux. Voilà. Donc là, on a bien les trois premiers, 74, 88, 90, provisoire. Le 87, il est à sa place, c'est la quatrième pour l'instant. Très bien, le 95, Grégoire. Ah bon, là, Grégoire. Tu vois, tu sers à quelque chose, finalement. Ah, voilà, le 83, très bien. Le 80, ah ben, il est là, formidable. Le 85, il est là. Et il nous manque le 77 et le 86. Ah oui, c'est celui-là qui... Ah bah les voilà. Donc voilà le 77 et le 86 qui vont se placer, ils vont rentrer là, ils vont se placer après le 85. Ils vont se placer après le 85, donc le 74, on va attendre un petit chouille là, le temps qu'ils rentrent, les chevaux. Allez-y, rentrez. C'est le 77 ? Ouais, ok, impeccable. C'est bon, le 74, vous pouvez... Voilà. Bon, voilà, tous les chevaux sont classés dans l'ordre provisoire et ils tournent devant vous. Alors, les juges sont là. Hein, je ne vais pas tendre le micro pour ne pas espionner, bien sûr. Je laisse traîner les yeux quand même, mais je ne vais pas vous le dire. Les juges sont là. Madame Rossel, Monsieur Scudamore, Monsieur Alban Chevalier du Faux, qui refont les comptes.
Et est-ce que oui, voilà, on a voit Jean-Luc Coutil qui est dans le fond, qui est déjà prêt avec sa pouliche de 2 ans, qui va donc participer au championnat après, de 2 ans. Mâle contre femelle. Ok, donc voilà. Alors, il y a eu plusieurs changements. Donc, je vais vous le partir par la fin, tiens, ça va changer. Alors. Par le début, bon, d'accord, par le début, mais attendez, je vais quand même vérifier un truc. Ok, d'accord, ça y est. 86, 77, si tu remontes. 85, 95, 90, 80, 81, 87, 88, 89. D'accord, merci. Alors, les choses ont changé, mais par contre, pour la victoire, ça n'a pas changé. Bravo au 74. Au 74 de l'écurie Smart, qui est ici, qu'on peut applaudir, qui s'impose, le fils de Saint-Dessins, qui remporte ce championnat des 2 ans. Voilà, bravo. Magnifique. Poulain très signé de son père. La deuxième place est conservée par le 88. Donc le 88, c'est le vendangeur. Alors ensuite, par contre, pour les accessites, il y a du changement. La troisième place, finalement, est prise par le 87. C'est le Danomast. Le 87 est troisième. En quatrième position, nous avons le 83, Tiger Groom. En 1, 2, 3, 4, 5e position, nous avons le 80, 8-0, le loup solitaire. Ensuite, en 6e position, le 90, le Smadoun. Quoi, ça va trop vite? Ben on note, les chevaux, l'intendance va suivre. Donc je recommence, parce que du coup, je ne sais plus où j'en suis. Alors, 74 en première position, 2e position pour le 88, 3e position pour le 87, 4e position pour le 83, la 5e position pour le 80, la 6e pour le 90, la 7e pour le 95, la 8e pour le 85, la 9e pour le 77 et la 10e, ça ne change pas, pour le 86. Alors on va les remettre dans l'ordre, voilà. On va les continuer de les faire tourner et on va arrêter le vainqueur. Bah, qui arrive justement là? On va arrêter le vainqueur devant la caméra pour faire les remises des prix et les photographies, n'est-ce pas? Hop! Hop là, oh! Bravo! Bravo à l'écurie Smart, un jeune éleveur, félicitations. On va lui demander quelques mots tout à l'heure, mais on va demander à Madame Russell, entraîneur, pourquoi avoir choisi ce fils de Saint-Dessin après une longue discussion
de le classer en tête de ce classement de, des deux ans mal. So why did you choose this horse to be the winner? As soon as he came in, we loved him. He had presence, he's well balanced, he has good limbs, and we thought he was our winner straight away. He was early on in the day, and we thought he was a lovely horse. Bien, ben c'est clair, parce qu'en fait, aussitôt qu'il est rentré dans le ring, parce qu'il y a eu beaucoup de luttes pour les places, comme vous avez pu le constater, mais pour la victoire, c'était assez clair. Mme Ancel nous dit que sitôt qu'il est arrivé dans le ring, ils sont tombés vraiment amoureux de ce cheval. Il avait tout ce qu'il fallait, l'équilibre, l'os, la présence. Et donc, ils ont tout de suite, dès qu'ils l'ont vu rentrer dans le ring, tout de suite senti que ça allait être le cheval de la journée en ce qui concerne les mâles de 2 ans. Félicitations. Merci, Mme Ancel. C'est bon pour les photos? Alors, attends, on va se rapprocher un peu de la caméra pour le montrer, ce beau cheval. Tiens, si on peut tourner par derrière ou arrêter de tourner un peu, s'il vous plaît. Voilà. Tenez, puis on va demander à monsieur, on va demander une question, une interview à monsieur, on va se rapprocher. Venez avec moi, faites pas le timide. Alors, l'écurie Smart, on veut savoir ce que c'est parce que ça fait pas longtemps qu'on vous connaît. Expliquez-nous tout. Eh bien, on a démarré avec des trotteurs et on a décidé d'essayer d'élever quelques juments. On a 3 juments pur sang. Et donc, on est venu au concours pour situer notre élevage. Donc, on est très satisfait de cette première place, bien sûr. Et de la troisième dans le lot des foules. Et qu'est-ce qui vous a pris de vous lancer dans la QPS en venant du trotteur? Ouais, toujours les hasards, quoi. J'avais acheté des pur sang pour essayer. Ça m'a plu, je continue. Et l'écurie Smart, c'est quel nom, votre nom, en fait? Parce que du coup, on ne le sait pas. Alors, Pascal Berthoud. Et on a notamment, à titre privé, on est co-éleveur et co-propriétaire de Ready Cash. Ah, de Ready Cash. Ah, on connaît ce cheval-là, ça me dit quelque chose. Co-propriétaire et co-éleveur. Félicitations. C'est une bonne, quelle bonne idée d'être copropriétaire et co-éleveur de Ready Cash. Bravo. Vous l'avez pas fait exprès? Oui, mais vous avez bien fait quand même. Ok, alors ce qu'on va faire, c'est que... Qu'est-ce qu'on va faire d'ailleurs? Ah, on va remettre les plaques, dit. Alors, la plaque. La plaque au deuxième, bravo. Hein. La plaque au troisième. Constance. Et on va garder le gagnant. Et on va garder le gagnant de côté. Et on va garder la femelle. On va se le garder pour nous. Et on va appeler la femelle de 2 ans qui attend pas loin. Jean-Luc, tu peux te rapprocher, tandis qu'on va libérer, Tiens, on va libérer là, on va ouvrir s'il vous plaît. On va libérer les autres concurrents, les 9, le 74, là, on laisse on le met de côté, on l'est là. Ah bah je vois que tout le monde est prêt, mais quelle rigueur, la rigueur angevine, il n'y a pas que la douceur en Anjou, il y a aussi la rigueur célèbre, une fois passé les 14 heures. Alors, le 74, il est toujours là, et on appelle la femelle, la meilleure femelle de 2 ans. Qui la tient? Jean-Luc? Non, je ne sais pas. Jean-Luc, qu'est-il? Peut nous amener son lot, le 59, pour participer au championnat suprême des 2 ans. Tandis que le championnat des championnats, eh bien, sera décidé dans la foulée, où on mettra en opposition le champion ou la championne des 2 ans avec le champion des mâles, puisque c'était un fils de polyglotte ce matin. Donc voici la Miss Tortulio, dont je vous rappelle le numéro 59. Hein. Oui, c'est ça. La 59, c'est la Miss Tortulio et Nacassia, présentée par Jean-Luc Couetil. Voilà, qui suit sa championne. Alors, on va les placer là. On va les placer là, les 2 chevaux. On va demander au juge. The judges. Ne soyez pas distraits par Étienne Linders, the grand cross-country of grand winner. Donc les judges vont nous donner dans quelques instants le résultat du verdict. Et on demandera son avis à Alban, des explications. Alban Chevalier-Dufaux, pourquoi il a choisi, ou ils ont choisi, soit le 74 qui est le mâle, Bébrin, soit la 59 qui est la femelle, Alzheimer.
Alors, you turn on or you turn down? Alors, Alban Chevalier du Faux va nous dire en français, on ne va pas la faire snob, on ne va pas la faire en anglais, hein, lequel, entre le 74, donc le mâle de Saint-Dessin, et la 59, la femelle de Mister Tullio, est sacré aujourd'hui champion suprême des deux ans du Lion d'Angers 2012? Bien, avec beaucoup de mâles, puisque nous avions deux belles espèces, nous avons choisi le mâle. Bravo, 74, merci Alban. Bravo 74, qu'on peut applaudir. Eh oui, les copropriétaires et co-éleveurs de Ready Cash ont décidé de se lancer dans le galop et ça marche aussi vite qu'avec Ready Cash puisqu'il s'impose. Il est parti où? Ah ben voilà, comme si vous n'étiez pas habitué au podium, hein, vous êtes un peu timide. Une chacun, on fait les photos. Alors, qui remet le prix? L'Association nationale? Je vois des t-shirts, des machins. Ok, dès que vous avez fini, on va juste se retourner pour immortaliser l'événement. Tiens, hop, Yann, reste là. Yann. Hop, 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 tiens. Oui, oui, encore des photos, c'est ça le star system. On va juste se retourner, pas retourner le cheval, c'est pas la peine, mais juste retourner, vous retourner pour immortaliser ce moment devant la caméra avec un sujet qui va passer sur Equidia, donc dès demain, si je suis encore vivant. Donc voilà, ce mâle de Saint-Dessin, élevé par le co-éleveur et copropriétaire de Ready Cash, est le champion suprême. Bravo et merci, messieurs. Des deux ans, bien entendu, car le grand championnat final est en train de survenir. Et pour cela, on va appeler François Goriot, ici, qui va mériter son énorme salaire, franchir la barrière d'un pass velte et prompt et venir rejoindre les juges des deux ans, car François Goriot était juge des foals ce matin, et c'est bel et bien un affrontement assez rare et inédit entre un foal, où effectivement c'était un mâle de polyglotte, et le foal de Saint-Dessin. Alors, je ne sais pas si Franck Champion est encore là du Rat des Truands, mais là, il passe un bon moment, parce que ce sont ces deux étalons qui participent à la finale du championnat suprême, champion des champions du Lion d'Angers 2012. Donc voilà, alors voilà, revoilà le mâle présenté par Alain Couetil, qui porte le numéro le 41. Donc, qui a été sacré champion ce matin des foals, le polyglotte. Hop, on peut l'arrêter là. Donc voilà, là c'est un polyglotte présenté par Alain Couetil. À vendre? Non? Donc le polyglotte, le foal. Et de l'autre côté, le mâle de Saint-Dessin qui vient de remporter le championnat des deux ans. Donc le jury est composé cette fois-ci de quatre personnes. Madame Russell, entraîneur, François Goriot, Alban Chevalier Dufaux et Peter Scudamore. Voilà, l'hésitation est de mise, manifestement. Très difficile de comparer un foal et un 2 ans. Oui, oui.
Alors, nos amis anglais sont encore dans l'hésitation. C'est bon, alors on va demander à Peter Skidamore, la légende des courses anglaises, de désigner qui du foal, ici, par polyglotte, ou qui du deux ans, par Saint-Dessin, le Mébrun, est champion des champions du Lion d'Angers 2012. You want me to choose? Yeah. You're going for the foal. For the foal. Bravo Alain, bravo à toute la famille, où est-il ? The Fall by Polyglotte, enfin, c'est-à-dire le Fall de Polyglotte. Et bravo encore au deuxième qui a vraiment lutté jusqu'au bout. C'est. Et voilà. C'est lui, le Polyglotte, qui est le champion des champions. Jean-Luc, allez. Allez, allez, allez. On va pas nous faire sentir timide, Jean-Luc. Allez, une photo. Ah bah voilà, en plus, il sait bien se présenter. Ah, une photo avec les juges, bien sûr, bah oui. On peut les mettre au soleil avec le monde derrière ? Oui, c'est possible. Oui, on va les mettre au soleil. C'est effectivement ça avec mieux pour la photo. Voilà. On va reculer un peu. Voilà, et on va mettre... On va demander au juge et puis on va demander au public de se mettre à côté de façon à pouvoir laisser le champ de la caméra libre. Écartez-vous s'il vous plaît, excusez-moi, petite seconde, est-ce que vous pouvez bouger de quelques pas sur la gauche ? Baissez la tête, baissez la tête. Il est où, Peter ? Hop. Tiens, Michel, je vais t'écarter un petit peu. Non, mais il y a 7 mois et demi. Peter. Bravo, félicitations de gauche à droite, donc Peter Skidamore, Alban Chevalier Dufault, Madame Roussel, Jean-Luc Couetil, Yann Poirier, je ne connais pas le nom de demoiselle, et Alain Couetil. Mylène Pelletier, ah bah oui, évidemment. Voilà, et c'est ainsi que se conclut... Enfin, on rappelle que le meilleur foal a gagné une série de Gentle Wave, quand même. Et c'est ainsi que se conclut, je vais rester dans le soleil, le show AQPS du Lion d'Angers 2012. Désormais, on va se retrouver pour un nouvel événement en direct dès samedi. Ce sera San Sébastien en Espagne pour les ventes en direct donc de San Sébastien. Puis jeudi prochain, ce sera les ventes aux Arus à la Teste. Et en attendant, vous allez pouvoir retrouver dès demain les différés complets, section par section, de ce show AQPS 2012. Bravo à AQPS Ouest et son président qui a merveilleusement bien organisé cette manifestation. Et bravo aux vainqueurs. Merci. Au revoir.